Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons également notre frère qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Merci pour votre invitation. Très Alléluia. Bien, merci. Alléluia. Très bien. Tu vas te présenter aux frères et sœurs qui sont là. Hein, qui, voilà. Donc, je m'appelle Samir. J'ai 40 ans. Je suis né, j'ai grandi en France. Mais je suis donc de famille tunisienne. Donc, mes parents sont tunisiens. Donc, j'ai reçu l'évangile à l'âge de 20 ans après avoir essayer de suivre les préceptes de l'islam jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce que le Seigneur me touche. Samir, merci. Mon témoignage. Alors, il y a deux volets. Le premier volet, c'est la famille dans laquelle je suis issu. Parce que nous. Bon. Alors, je viens d'une famille de sorciers, en fait. Elle se transmet de père en fils aîné dans nos pays. Et donc, je suis le fils aîné de mon père, qui est le fils aîné de mon grand-père. Donc normalement, j'aurais dû hériter de ces pouvoirs, entre guillemets, ou de cette malédiction. Donc mon grand-père, j'ai connu en fait tout petit, quand il travaillait en Tunisie chez nous. Et quand il travaillait, c'est-à-dire ceux qui pratiquaient les arts divinatoires, ils s'arrêtaient d'exercer. Quand il rentrait dans une ville ou dans un village, il s'arrêtait d'exercer. Parce que donc c'était lui, quoi. Wow. Il arrive, il dit, bon, je prends cette maison. Il pouvait prendre les femmes qu'il voulait, malheureusement. Il pouvait prendre les filles qu'il voulait. Donc, il vivait comme un tyran, quoi. Et puis, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église pour contrecarrer. Il n'y a pas d'église pour prier. Enfin, en tout cas, dans ces années-là, déjà dans les années 60. Les gens avaient peur de lui ? Les gens le craignaient, même les autorités des pays. Waouh ! Donc, il se faisait payer en terre, en troupeau, en... Donc, c'était un tyran, quoi. Et donc, tout le monde le craignait. Bon, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je raconte pas tout ce qui... Je trouve que c'est pas édifiant de raconter tout ce qui concerne les choses de la sorcellerie. Mm-hmm. Je trouve que c'est pas... Je veux pas rentrer trop dans les détails. Mais je veux dire juste une chose, parce que ça concerne ma conversion. La circoncision qui est faite donc, pour que les garçons soient soi-disant, selon le rite de l'islam, qui rentrent en tant que musulmans dans la communauté musulmane. Pas toutes les familles, mais les familles de sorciers se servent de ça. Donc, ils prennent le prépuce de l'enfant. Et puis, bon, comme il y a du sang, donc ils se servent de ça, disons, pour faire un pacte avec le diable, quoi. Donc, mon grand-père est venu. Donc, je suis, même si j'ai grandi en France, donc je suis descendu à l'âge de 5 ans donc pour cette fête. J'ai des très bons souvenirs de ce qui s'est passé. Mon grand-père paternel donc, est venu. Toute la famille sait qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais qui va lui dire quoi que ce soit? Qui va lui reprocher? Mais il le craignait trop. Donc, il y a dans nos familles, dans nos maisons, c'est des cours intérieurs. Donc, ce que je vais vous dire, c'est toute ma famille qui me l'a rapporté, parce qu'ils sont à peu près 30-40. Il y avait mes oncles, mes tantes, tout ça. Mon grand-père, il a voulu rentrer donc, dans la chambre au moment de l'opération. Et il a dit donc, à toute ma famille, est-ce que vous voyez ce que je vois? Non, ben, dis-nous, qu'est-ce que tu vois? Et il a dit qu'il voyait un rideau de feu devant la porte d'entrée et qu'il ne pouvait pas rentrer. Waouh! Il ne pouvait pas rentrer. J'avais 5 ans. C'était 15 ans avant que je reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Comme quoi, vraiment, on est prédestiné. Mm-hmm. On est prédestiné. Et il a essayé de rentrer deux fois et il s'est brûlé. Il a hurlé à mort. Il a hurlé. Moi, je me rappelle... J'ai pas... Moi, je criais pour d'autres raisons. voilà, en fait, c'est ce qu'il a dit. Et donc, il est parti furieux de là. Et alors, ce qu'il a fait, c'est qu'en même temps, dans sa colère, il a touché ma petite sœur, qui avait l'âge de 3 ans. Et donc, c'est le témoignage de ma petite sœur, qui est aujourd'hui chrétienne, qui est convertie. Elle-même est devenue sorcière jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle a reçu l'évangile aussi à 20 ans. Elle a été délivrée. C'est une délivrance qui a duré plus de un an. Wow. Donc, on ne sait pas pourquoi, en revenant en France, elle récupérait des grimoires, des livres de sorcellerie qu'elle lisait en un quart d'heure. C'était des gros livres. Bon, voilà, c'était tombé sur elle. C'est tombé sur elle. Mais elle a pratiqué ça en France, en dehors de notre cadre familial. Donc... moi, je ne savais rien de tout ça. Mais ce que je sais, c'est que mon grand-père est parti voir mon père. Et il a dit, ton fils est chrétien. Comment ça, mon fils est chrétien? Mon fils n'est pas chrétien. Regarde, il est 5 ans, il est à la maison. Ton fils est chrétien. Wow. Ton fils est chrétien. Écoute-moi bien. Et donc, il dit à mon père, moi, ici, dans ce pays, je peux faire ce que je veux. Mais il n'y a que le Dieu des chrétiens. C'est-à-dire, il ne peut pas employer le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le Dieu des chrétiens qui peut m'empêcher de faire ce que je veux. Amen.
il n'y a que le Dieu des chrétiens. Donc, il dit ça à mon père. Et donc, il a donné beaucoup de produits à mon père pour que, soi-disant, je reste dans la religion de mes pères, que je reste dans la tradition. Donc, j'ai grandi toute mon enfance en rentrant à la maison avec des produits qui sentaient pas bon. J'ouvrais les fenêtres. J'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans ça pendant toute mon enfance, en mangeant des choses amères que je ne sais pas d'où mon père sortait ces choses-là. Et je prenais vraiment pas ça au sérieux. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était la grâce de Jésus qui était sur moi. Je comprenais pas, en fait. Mais pour moi, je croyais vraiment que, dans ma naïveté, que la sorcellerie, c'était comme les prestidigitations qu'on voit à la télévision. Je ne pensais pas que c'était dangereux parce que je ne savais pas que la grâce de Dieu était sur moi. Et donc, en fait, c'est à l'âge de 10 ans que mon père donc, m'a raconté l'histoire avec son grand-père, c'est-à-dire le dialogue avec mon grand-père. Et donc, il a dit, mon fils, tu seras chrétien. Tu vas te marier avec une chrétienne et tes enfants seront chrétiens. 10 ans avant que j'accepte Jésus. Et moi, je disais, non, papa, je suis musulman. Un vrai, je ne trahirai pas. Je vais rester fidèle. Et pourquoi tu racontes des choses comme ça? Et il disait, mais dépité, comme avec les larmes aux yeux. Et il m'a dit, alors qu'il raconte, à ce moment-là, il me raconte l'histoire avec mon grand-père. Et puis après, il me dit, j'ai tout fait. Et j'abandonne. J'ai dépensé trop d'argent. Mais que le Seigneur soit béni. Alors, voilà. Donc, en fait, c'est 10 ans avant que j'accepte Jésus. Donc, j'en viens à ma conversion. Alors, en fait, j'avais un secret dans mon cœur que pas même mes parents ne savaient. C'est que j'avais un grand mal de vivre. Je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas à cause de ma petite taille. Tu vois, c'est ridicule, hein, les adolescents, c'est comme ça. Hein. On se moquait de moi à l'école. On m'appelait moustique. On m'appelait... Bon, à l'école, au collège, au lycée, hein, on est très cruel avec ceux qui sont un peu forts, avec ceux qui ont un peu plus de boutons. Donc, je n'étais pas épargné. Ça a valu des complexes dans ma vie. Je commençais à bégayer, je ne pouvais pas parler en public. Et je croyais, parce que je croyais au Seigneur, je croyais que Dieu seul pouvait me libérer de ça, que Dieu seul pouvait me guérir. Mais comment me guérir? Seigneur, fais de moi quelqu'un qui est grand. Quand je serai grand de taille, quand je serai grand de taille, je serai heureux. Je serai épanoui, je pourrais, puisque j'étais du monde, je pourrais séduire toutes les filles que je veux, je pourrais avoir tout ça. Et donc, je me mesurais tous les jours et je priais. Donc, selon le mode de l'islam, puisque un musulman, quand il se prosterne la tête contre le sol, c'est le seul moment où il peut parler, même dans sa langue, même si ce n'est pas en arabe, pour dire tout ce qu'il veut à Dieu. Et moi, c'est ce que je demandais. Seigneur, je veux être grand. Je veux être grand. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais en moi qui ne cicatrisait pas. Et ma mère, qui travaillait chez un médecin, un professeur très connu, il lui a dit qu'en fait, il y avait un traitement médical qui était unique en Europe. Donc, on était dans les années 87. C'était unique en Europe, c'était dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre au 94, pour la croissance des jeunes, de ceux qui sont en retard. D'accord. Moi, j'ai dit, c'est un miracle, c'est Dieu, c'est vraiment... Voilà, Dieu a répondu à mes prières. Et donc, grâce à ce docteur, j'ai passé un an de liste d'attente puisque j'avais un piston. Et donc, je suis passé un an. Ça y est, j'avais plein d'espoir. J'ai fait des tests physiologiques, c'était bon, psychologiques, ça y est. Et au moment où on allait, le docteur, le professeur du service, va me prescrire le traitement d'injection, elle dit, nous étions 111. Nous étions 111 de cette promotion-là de jeunes, petits, quoi, 1m45, 50. Tous les autres, c'était bon. Et pour qui c'était pas bon pour moi, parce qu'elle me disait, jeune homme, je suis désolée, je peux rien faire pour vous. Et moi, je lui dis, mais pourquoi? Et elle n'a pas voulu me dire. Et moi, je lui dis, mais attendez, je suis le premier concerné. Moi, j'ai eu beaucoup d'espoir. Et pourquoi vous me faites des choses comme ça? Et vous m'avez dit que les tests étaient positifs. Alors, je ne comprenais pas. Et elle n'a jamais voulu me dire, et jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu sait pourquoi. Elle a refusé. Et donc, je suis rentré chez moi, j'avais la mort dans l'âme. Et vraiment, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que, comme en priant Dieu, le fait d'avoir été déçu, j'ai dit des choses mauvaises sur le Seigneur. Mais vraiment, Dieu m'a tellement aimé pour qu'il m'a appelé après. Et donc, voilà, je suis tombé après dans la drogue, de façon
très épisodique avec des amphétamines. Et je voulais vivre comme ça, c'est-à-dire je voulais aller en boîte de nuit. En rentrant de boîte de nuit, je voulais faire mes devoirs, et c'est-à-dire ne pas dormir et mourir comme ça sans dormir, en fait. Et après, et en fait, ça n'a pas cicatrisé, c'est resté comme ça. Personne ne savait ce que j'éprouvais. Quand j'ai eu l'âge de 19 ans, 20 ans, il y a des évangélistes qui sont venus habiter dans mon immeuble. Ils sont venus m'apporter la parole. Et ils ont eu beaucoup de courage parce que je les ai envoyés balader plusieurs fois, plusieurs fois. Mais ils m'ont donné une Bible que j'ai pas voulu lire, puisque moi, comme tous les musulmans, je pensais que la Bible était falsifiée. Comme tous les musulmans, je le rappelle, je croyais que être un chrétien, c'est forcément adorer Marie, c'est forcément adorer les saints. On faisait un amalgame. C'est ça. Tous les musulmans font cet amalgame-là. Il faut, faut et parce qu'on sait, on sait pas ce que c'est que le réveil, on sait pas ce que c'est que le vrai, le christianisme réel, quoi. Et mais n'empêche que ce qui était bien chez ces frères-là, c'est qu'ils m'ont pas jugé. Ils m'ont jamais dit ta religion, c'est n'importe quoi. Ce qu'ils m'ont dit, c'est est-ce que ta religion t'a rendu meilleur? Et là, ça fait boum chez moi. Parce qu'il a tapé dans le mille. Est-ce que ma religion? Alors, je les ai insultés. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, c'est vrai, ma religion m'a pas rendu meilleur, en fait. J'ai changé l'extérieur, j'ai peut-être fait un peu plus de jeûne, peut-être un peu plus de. Au lieu de 5 prières par jour, j'en fais 6, j'en fais 7, peut-être un peu plus, toujours chercher à en faire un peu plus. Mais est-ce que j'ai vraiment changé? Non, j'ai pas changé. Donc je me suis répondu déjà moi-même à cette question. Et c'est resté en moi. Et donc là, à partir du moment, je commençais à être troublé. Je commençais à être troublé devant ces chrétiens qui me disaient, est-ce que ta religion t'a rendu meilleur? Et le 30 septembre 1991, à 19 h, j'ai fait une prière. J'ai fait mes ablutions. Je me suis dirigé en direction de la Mecque. Et j'ai prié le Seigneur, mais j'ai prié Jésus. C'est bizarre, hein? J'ai prié Jésus. J'ai dit, c'est comme si je l'ai mis au défi. Je lui ai dit, si vraiment, comme les amis ils disent, tu es le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne passe au Père sans passer par toi, montre-le-moi. Mais si tu me montres, si je veux un vrai signe, si tu me montres un signe, je te suivrai, je te croirai. Mais j'avais dit aussi comme ça, mais je ne veux pas les petits signes comme ça, je veux quelque chose de radical. Et il était 19 h. Et le Seigneur, il m'a répondu à 20 h, par le journal de 20 h. C'était ce qu'on appelle le premier scandale des hormones de croissance. On avait injecté au 110 des hormones de cadavres humains, d'hypophyse, d'hypothalamus ou d'hypophyse de cadavres humains. Vous êtes au courant de cette histoire. Je faisais partie de la première génération. Je vous annonce que les 110 sont morts. Et ils sont morts comment? Ils sont morts. Ils sont morts grands. Ils ont eu la maladie, mais on n'appelait pas ça comme ça, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc, ils avaient leurs articulations qui craquaient. On entendait, on voyait donc au journal de 20 h les parents qui pleuraient. Ne nous donnez pas des millions, rien ne va nous rendre nos enfants qui sont morts dans la fleur de l'âge. Et moi, j'étais là avec le signe que j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, ils sont tous partis. Moi, je suis là, mais pourquoi je suis là? Et en même temps, je me disais, mais Seigneur, en même temps, je t'ai demandé un signe et tu me réponds par le traumatisme qui est en moi, la peine qui est en moi, la détresse qui est en moi, ce que personne ne voit, ce que personne ne connaît. C'est de ça que tu parles. C'est de ça que tu parles. J'étais troublé et je pleurais. Et en même temps, je voulais résister. C'est dur, mais je voulais résister parce que on sait qu'est-ce qu'il y a à payer comme prix. On sait que nos parents vont nous abandonner, nos frères vont nous abandonner, on va perdre nos oncles, on va perdre tout, et on va suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui nous tend les bras. On sait ça. Et je voulais résister. Et en résistant, comment je veux résister? Je me dis, bon, on va vraiment voir si la Bible, comme il dit, c'est la parole de Dieu. Alors, comme il m'avait dit, on va lire, si tu lis la Bible, commence en Matthieu. Je dis, mais c'est quoi ces livres où tu commences par le milieu? Alors, je lis Matthieu, Abraham engendra Isaac. Qui c'est cela? Jacob. C'est qui tous ces noms? Mais on est musulmans, on ne connaît pas, nous, ça. Mais j'ai dit, mais c'est. Et ça va durer combien de temps, tous ces noms? Mais quand je lis le chapitre 2 de Matthieu et que je vois comment le Seigneur a épargné Jésus-Christ de la main d'Hérode, c'est pas
Jésus que je vois en même temps seulement. C'est ma propre vie, c'est de ma vie que la Bible parle. Et c'est là que je vois que la Bible est la parole, parce qu'elle me parle à moi, elle me parle à mon cœur. Je lisais le Coran avant, mais j'étais gonflé intellectuellement. Mais là, elle s'adresse à moi. Et j'entends une voix qui me dit, comme j'ai épargné mon fils, je t'ai épargné. Et là, je peux pas... Comment je peux résister? Alléluia. Alors voilà, c'est le 30 septembre 91, donc j'ai accepté Jésus. Et je me suis prosterné, j'ai accepté Jésus. Et plus rien n'est comme avant. Plus rien n'est comme avant. Une religion ne peut sauver qui que ce soit. Pas même la religion chrétienne d'ailleurs. Hein, surtout, donc c'est Jésus qui sauve. Et il faut une rencontre personnelle avec lui. Il faut une rencontre personnelle. Si parmi nos auditeurs, il y en a quelques-uns qui se posent des questions, qui se disent comme ça, j'ai besoin d'un signe. Le Seigneur, il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Moi, c'est vrai, j'étais dans mon inconscience, dans mes péchés, parce que je ne cache pas que j'étais un grand pécheur avec ma façade religieuse, mais j'ai cherché. Et j'ai demandé vraiment au Seigneur, j'ai demandé vraiment un signe. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Wow. J'aimerais te poser une question, Samir. Est-ce que tu enseignes la parole dans l'assemblée où tu te trouves? Je n'enseigne pas la parole dans l'assemblée. Mais plus, je m'occupe des enfants, du culte des enfants, de l'école du dimanche. Donc je prêche aux enfants et je prêche en cellule de prière, mais pas dans l'assemblée. Avec un tel témoignage, un tel appel? Curieusement, on m'a rarement demandé de l'apporter. Je le donne quand j'annonce l'évangile à des personnes, mais dans l'assemblée, curieusement, c'est rare qu'on m'ait demandé. Je pense que c'est la troisième fois en public que je l'apporte. La troisième fois. Et pourtant, je suis converti depuis 20 ans. Mais j'ai demandé aussi, ça m'est arrivé aussi de demander, de dire, bon voilà, je voudrais glorifier Jésus par mon témoignage, mais voilà. C'est du gâchis. Pourquoi je te pose la question? C'est ce que Dieu me demandait. En fait, je suis convaincu, frères et sœurs, que beaucoup ce soir sont touchés par ce témoignage. Merci Seigneur. Et Dieu me disait en même temps, Samuel, qu'il faut écrire un livre. Il faut écrire un livre. Je ne sais pas si Rafika nous suit ce soir, qui est aussi d'origine arabe, donc c'est sûrement ma fille dans la foi, et qui s'est convertie à l'âge de 17 ans, qui a été beaucoup rejetée par sa famille, beaucoup combattue, on lui crachait dessus, on a brûlé plus de 8 Bibles, tout ça qu'elle avait. D'ailleurs, on attend toujours ton livre. Donc, pourquoi je dis que c'est du gâchis? En même temps, bon, le Seigneur permet toutes choses, mais je me dis... Oui, tous ces trésors, mes amis, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne à nous qui sommes ses enfants, et pour être fortifiés, encouragés, de tels frères qui doivent être encouragés et blessés, et poussés pour qu'ils répondent à l'appel du Seigneur, afin de toucher des musulmans, parce qu'avec son témoignage, je suis convaincu que beaucoup des musulmans qui cherchent sérieusement le Seigneur, honnêtement le Seigneur, seront touchés. Je sais que depuis quelques temps, Sophie qui est avec nous me donne souvent, me parle de ton témoignage. Ce samedi, vous avez un programme de réveil à partir de 16h30 jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. Alors, tu vas avoir au moins une heure de temps ce samedi donc, pour nous apporter la parole. Amen. Donc ça, c'est l'invitation que je te lance. Voilà, donc... Je vous invite personnellement ce samedi donc, qui arrive à partir de 16h30 à Évry, à ce programme de réveil. Amen. Et notre frère va nous apporter la parole dans un premier temps. Si Dieu te dit de prier pour nous, de faire d'exercer le ministère, tu vas le faire. Donc, le Seigneur soit béni. Il est temps que, frère, il est temps que des Noirs, des Arabes, des Blancs, des Noirs, des Chinois se lèvent afin de servir le Seigneur. Fini ce temps où on a étouffé les dons. On a écrasé les ministères dans les bâtiments d'église, n'est-ce pas, où on a vu seulement des pasteurs seuls qui prêchaient. C'est fini cette époque-là. Nous voulons nous lever pour le réveil, frère, pour Amen. Le retour du Seigneur, Amen. Au nom de Yeshua. Et en fonction de ta disponibilité, je remets à cœur de t'encourager dans ton ministère
ainsi que les frères et ceux qui sont avec nous, parce que tu as ce ministère de prophète, ce que Dieu me montre. Et donc, pour t'envoyer dans les églises déjà que nous avons implantées, pour prêcher la parole tous les dimanches, tous les samedis, tout en fonction de ta disponibilité. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas te laisser enfermer dans un bâtiment. On passe d'un extrême à l'autre, là. Ah, non, je ne fais rien. Ça, c'est clair. Mais tu sais, Samir, on vit ce réveil et je crois que c'est vraiment ton temps. Et on n'est pas là pour contrôler qui que ce soit. Nous avons reçu des choses, il faut les donner. Il faut sonner le chauffard, la trompette. Et c'est ce que j'ai à cœur. Le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Amen. Donc, c'est d'encourager les ministères. Le pasteur Blaise que tu vois, il est resté pendant des années à côté d'un pasteur. Et quand, pendant des mois, le Seigneur lui parlait de nouvelles choses, il lui montrait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il se retirait, il a rencontré le message du temps, la vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a suscité au niveau de la RDC. Et il fait l'œuvre. Vous voyez, donc il n'y a pas une couverture au-dessus de lui à part Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça l'œuvre du Seigneur. Et personnellement, je veux encourager les frères et sœurs, les blancs, les noirs, les arabes, les jaunes, les marrons, peu importe nos origines, frères. Avant que Dieu ne revienne, nous voulons d'abord, mes amis, nous lever pour pouvoir faire avancer le royaume. Au nom de Yeshua. Donc,